Alors, en quelques mots, il s'agit tout simplement de faire participer les citoyens à la sécurité de proximité, c'est-à-dire être le relais essentiel de ceux qui habitent la ville avec les autorités judiciaires, avec la police nationale et avec la police municipale. Il ne s'agit pas de se substituer à la police et en aucune manière d'intervenir lorsqu'il se passe quelque chose. Mais c'est également créer un lien social pour qu'il y ait une véritable solidarité dans le voisinage. Alors, les objectifs sont très simples. Il faut impliquer, à condition qu'ils le veuillent bien, puisqu'ils doivent être acteurs, impliquer les habitants à l'action de sécurité. Et l'action de sécurité, c'est leur propre action dans leur environnement immédiat, avec leurs voisins, amis et l'ensemble des personnes qui vivent. Parmi ces objectifs, nous avons accroître l'efficacité de la prévention de proximité, parce que prévenir, c'est guérir, c'est un adage qui est bien connu, et à partir du moment où on le fait, on aura moins d'actes de délinquance. Et enfin, permettre toute la chaîne de la sécurité d'être proactive. Pour permettre à une police municipale ou une police nationale d'être engagée, eh bien, il faut savoir ce qui se passe, il faut connaître son quartier, il faut connaître ses voisins. Alors, tout le monde peut être candidat à partir du moment où il est volontaire, mais deux conditions, majeur et résider à Pontoise, et une troisième qui appartiendra au service de la préfecture afin de vérifier l'honorabilité de la personne et ne pas se faire avoir par quelqu'un de mal intentionné. Le mot de la fin, il est tout simple. En conclusion, je dirais, soyez acteurs de votre sécurité. Et à partir de ce moment-là, nous attendons vos candidatures et nous vous rencontrerons de façon à échanger sur le sujet et surtout à promouvoir ce dispositif qui, j'en suis sûr, apportera ses fruits.